Salut à tous, c'est Nosbrand qui vous parle pour la suite de Far Cry 3, et oui, et cette fois on va aller vraiment sur l'histoire. Normalement, si le jeu a bien sauvegardé, oui je connais ma clé Steam, merci, si le jeu a bien sauvegardé, eh bien oui j'ai tout, donc du coup maintenant il faut que j'aille ici. Oui oui, allons rapidement à cet endroit. On va faire ça, ouais. Bien, où est le trou du cul que je cherche? Alors, je sais pas comment vous faites pour encore être là, les mecs, sachant que j'ai un peu tué tout le monde. Mec, tu fais quoi? À l'aide! Hé, hey, retourne là-bas. C'est quoi ton problème à toi, hein? Il essaie de me faire mal! T'entends pas? Recule! Je suis sérieux, connard, recule, merde! Dégage, maintenant! D'accord. Ok. Tu joues avec tes doigts sur cette station-service ou quoi? Hey! Imbécile! Bon, tu vas arrêter, oui. Il a dit non. Attends, mais là-bas aussi, il joue avec ses doigts. Si je te rends un jour, tu prends une rafale. Je commence à en avoir plein de cul de ces conneries. Vous faites quoi exactement? Ok, bon, je vais pas chercher à comprendre. Ça se passe là-haut, la suite de la quête. Très bien. Allons là-haut. Salut. Mais ici, il n'y a que des criminels. Ils se rendent pas compte. Cette racaille gobe n'importe quoi. Tout le monde croit que je suis en cure juste parce que je viens d'Allemagne. J'ai même eu une promotion à cause de mon accent. Assieds-toi. Alors, quelle est la mission? Je dois tuer Hoyt. Scheiße. Mais attends. Tu es ce Jason Brody, hein? C'est toi qui as tué Vass. Ouais. Mais t'aurais dû le dire plus tôt. Il faut qu'on te planque. Hoyt, il fera tout pour réussir à te coincer. Ça va être compliqué. Le problème, c'est que tu es victime de ton succès, ya? Les autochtones se rebellent contre Hoyt, alors il a augmenté la sécurité. On doit saboter toute son organisation, sinon le tuer ne servira à rien. Cela dit, Hoyt ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'a entendu parler que de ça. À quoi tu penses? Nein, 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 nein. Odoria. Oui, c'est ça. Tu dois te faire engager dans sa milice. Non, ne dis rien, écoute-moi. Nous allons opérer ensemble tous les deux. Il va falloir que tu t'infiltres. Mais pour commencer, c'est l'habit qui fera le moine. Comment ça? On va voler un uniforme. Je sais que les nouvelles recrues sont prises en charge sur les quais pour leur incorporation. Tu vas en trouver une, prendre son uniforme et tous ses effets personnels. Et tu te débarrasses du corps. Quand c'est fait, tu me contactes sur cette fréquence. Sur quelle fréquence? Tu me l'as pas donné? Ok, d'accord. Bon, c'est où? Allô? Jason, tu as réussi à atteindre l'île de Hoyt? Ouais. Tu te rapproches du bout de la voie. Citra est convaincu que tu vas devenir le guerrier le plus puissant de la tribu. Le tatouage sera complet. Si tu survis... T'en fais pas pour moi. Je le savais, Jason. Pour atteindre le centre du monde, tu dois tout oublier de ta vie passée. Seul Citra et la voix doivent compter. Je sais ce que je fais. Bonne chance. Merci. En bref, c'est où? Ok, c'est pas... Je peux me téléporter au pylône radio? Non. Mais je peux me TP là, ce sera plus rapide. D'accord. Je suis obligé d'y aller à pied, visiblement. Très bien. Alors, je suis pas sûr qu'aller avec un lance-roquette, ce soit le truc le plus discret du monde, mais bon. Au point où on en est. Ouais, c'est bien. Bon, bah, j'ai eu toutes les bases et tout. Littéralement, tout ce qui me reste, c'est l'histoire principale, hein. Et ce qui est génial, c'est qu'il va plus y avoir d'ennemis qui se baladent sur la map, vu que j'ai bousillé toute leur base. Et ça, tu vas me dire que Hoyt, il est pas au courant?
Oh, de la flotte. J'espère qu'il n'y a pas de crocodile ou autre, et à la limite, je m'en fous. Non, franchement, j'en ai rien à branler. Parce que j'ai un putain de lance-roquettes avec 915 roquettes dedans. Je jure que ça va pas faire chier. Putain, mais ils auraient dû le mettre encore plus loin, cet objectif à la con. Approchez-vous prudemment du cénote. Oui, j'y vais. Deux secondes. Laisse-moi le temps d'y aller. Avant, je disais non parce qu'il y avait toujours... J'imagine bien l'autre avec son accent qui a fait « Mais qu'est-ce que t'as fait, ya ?» Bah, j'ai bousillé toutes les bases de Hoyt. Ah, d'accord. Bon, ben, t'infiltrer, ça va plus être trop nécessaire. Le mec n'a littéralement plus d'hommes. Je vois pas comment il espère me combattre. Bon. Avant que le point disparaisse, c'est où? Ok, c'est le bateau là-bas, très bien. Personne ne doit me voir tant que j'ai pas changé de vêtements. Je tue quelqu'un maintenant, ça va les alerter. Je déteste cette mission, hein, je vous le dis tout de suite. Vas-y, mec. Ouais. Pas sauter là-dedans, c'est trop risqué. Si je tue quelqu'un maintenant, ça va les alerter. Non. Oui, casse-toi. Bonne idée. Pourvu qu'il bluffe pas. Pourquoi? Non mais techniquement ça fait quoi si je le tue? J'envoie de l'argent chez moi, bientôt. Bon, lui, le civil, il est clairement mort. Je m'en fous de ta petite vie. Allez-y tous les deux. Je fais comment pour passer ça? T'as rien de spécial, mec, vas-y. Va voir, je suis sûr que c'est un intrus. Non, ce serait tellement plus simple si tu pouvais juste tuer tout le monde comme tu fais d'habitude. Fuck. On va pas penser qu'il ira aussi loin, cet abruti. Y'a rien, casse-toi. Ouais, c'est ça, casse-toi. Hop là, au revoir. Excusez-moi, mais je fouille un peu vos affaires aussi en passant. Ouais, bon, et maintenant? Évidemment, je parie que la fin, ça va être genre ils savent tous que je suis là et tout.
merci. C'était facile. Sérieusement, qui peut être con à ce point-là? Mais qui peut être con à ce point-là? Genre, j'ai jeté un caillou derrière lui, le mec il s'est direct retourné. En mode, hein? Qu'est-ce que c'était? Je trouve un accès plus sûr. Oh merde. Putain. Mission de merde, je m'en rappelle très bien, elle était chiante. Mettre dans de l'infiltration dans un jeu qui n'est pas prévu pour l'infiltration, c'est de la merde. Ce connard de Jason Brody, il a pas de pied non plus. Déjà, ça aurait dû s'arrêter dès qu'on a tué Bass. On se barre avec nos amis, puis c'est bon. Particulier, connard. Je trouve un accès plus sûr. Il n'y a pas d'accès plus sûr. Ok, il y a bien un truc. J'en descendrai une bien fraîche. Pas d'accès plus sûr. Va voir là-bas si j'y suis. Quoi? Totalement ça, connard, t'es trop tendu. Non mais attends, là je reviens juste en arrière avec ça. Je croyais que c'était le chemin. Tenez, allez voir par là si j'y suis. Rien de spécial, connard, vas-y. Là, je me fais repérer à la vitesse de la lumière. On va pas vérifier plus vite, hein, enculé. Putain, j'ai passé? C'était juste ça? Hop là. Merde, je me fais repérer. Je me fais repérer. Les mecs, il en a fallu un moment, hein, pour repérer un mec qui nageait, quand même. Putain de Miro. Ah, j'ai pas abandonné avant de l'avoir fini. Hein. Oh, y'a personne cette fois, cool. Le jeu a un petit peu de décence. Quoi? Y'a pas de dinosaure sur cette... What?
Pourquoi il y aura des dinosaures? Genre le mec il a la phobie des dinosaures, ça va, il risque pas trop d'en croiser hein. Bon bah allons-y hein. Salut mec, ça va? Je suis maintenant une recrue. Yay. Sam, je suis prêt. Apparemment le type s'appelait Foster. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comme Foster. Souviens-toi. Sois crédule. Il faut que tu croies à tes mensonges pour que ça marche. Ok. Ok, je suis Foster, je dois penser Foster. Je veux voir tout le monde en rang pour la revue. Préparez-vous. C'est bon. Suivant, allez, on avance. Ok. Allez, allez, on avance. C'est ok? C'est bon, suivant. C'est bon, Foster. Psst. T'as envie de te faire du blé? Pourquoi tu crois que je suis là? Un lieutenant du coin qui s'appelle Vaz vient de se faire descendre. Et il y a un territoire à piller. Ces gars se font des couilles en or. Alors pourquoi pas nous? Et Hoyt là-dedans? Hoyt a d'autres soucis. Pour l'instant, il n'y a qu'à se servir. Mais ça durera pas. Alors autant se bouger le cul, non? Je veux, oui. Ok. Va écouter le speech. Hé. Hey. Si tu parles à qui que ce soit de notre conversation... T'es mort, c'est clair? Ok. Salut. Ah, mes très chères et innocentes nouvelles recrues! Je vais pas vous mentir, nous sommes tous ici pour l'argent. Mais c'est pour le bonheur de mes hommes que je me lève chaque matin. Mon père, pour payer à son âme, était chercheur de diamants. Il se levait à l'aube tous les matins, il fumait sa cigarette, et ensuite il descendait sous terre. Pour cet homme admirable, l'entreprise était tout ce qui compte. Je fous le même respect à notre modeste entreprise. Et je n'attends rien de moins de votre part. Alors, il n'y a que trois règles que vous devez suivre impérativement. On descendra bien. Primo, protégez ma marchandise. Vous pouvez en profiter, mais en douceur. Deuxio, tirez à vue sur les autochtones. Et enfin, tous les profits me reviennent. Je suis un chef compréhensif. Mais si vous manquez à une seule de ces règles... Je vous fais rôtir comme du vulgaire poulet jusqu'à ce que votre peau soit croustillante. Bon, assez parlé. Ces sauvages veulent détruire l'œuvre de ma vie, ma plus grande fierté. Montrez-leur qu'on ne plaisante pas. Ah, j'allais oublier. On a une prime spéciale ce mois-ci. Une île rien qu'à vous. Pourquoi je dors? Pour la tête de Jason Brody. Ok. Je venais les autres crues et rencontrer Hoyt. Bon, excusez-moi. Comment je fais? Parce que sauter à la flotte, ça me paraît un peu... Bouge! Bouge! Ah, putain. Bon, on va y aller à la nage, hein. Oh,
Ok. Comment je remonte? Il devait y avoir une échelle, une connerie! Donc je me barre juste. C'est tout. Putain, j'aurais espéré qu'on me reconnaisse quelque chose. Maintenant, les miliciens ne te remarqueront plus. Mais évite de te faire voir en faisant un truc suspect. Tuer, étrangler, saboter, ils apprécient pas trop. Bluff-les, Jason. Il y a une piste avec un des miliciens. Un groupe de traite veut tenter de voler Hoyt. Je me dis que si je les tue... L'île Sud. Hoyt me fera confiance. Ah oui, l'approche indirecte, bonne idée. On aurait pu tuer Jason Brody aussi, mais ça aurait été gênant, n'est-ce pas? J'ai un peu surveillé les traîtres de l'intérieur. Ils ont trois capitaines, et il est possible que l'un des trois possède une liste de tous leurs membres. Tue-les, récupère la liste, et je ferai en sorte que Hoyt sache quel bon soldat tu es. Ils sont basés où? Dans un ancien temple. Je t'envoie les coordonnées. Ok. C'est où? What? Attends, 3048 mètres. Et ça a des kilomètres? Ouais, on va aller au Camp Roméo, hein. Ce sera plus rapide. Le lance-lame est une arme destructrice. Oui, le lance-roquette aussi, et je le préfère. Merci. Heureusement qu'il n'y a pas d'alliés qui pourraient me confondre. Enfin bref, les gens, on va s'arrêter là. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, allez bye. Le Templier qui s'est fait foutre dans la friend zone, hein, mais d'une force, sérieusement. Oui, avec l'enchantresse, c'est une super jolie fille, en parenthèse, et lui il est clairement amoureux, hein, et du coup il y a ton perso